Je crois bien que son homme, John Foster, qu'il avait fait plusieurs fois le tour de la terre. Il ne s'occupait que du charbon, bien sale métier, rien de bon quand on veut voyager. De pays dans toutes les escales, il n'a jamais su rien à lui qui serait dans son sac et l'ennui au fond de son hamac. Jamais cette histoire aux enfants, laissez-les donc rêver devant les océans. Tous les marins ne se nomment pas John Foster sur les mers. Il a bien cru qu'il serait un jour un homme, parce qu'il jurait buvait du mauvais rhum. Et celles qui l'ont vu partir ne l'ont pas attendu pour dormir dans le sommeil d'ingénue. Mais racontez jamais cette histoire aux enfants. Laissez-les donc rêver devant les océans. Tous les marins ne se nomment pas John Foster sur les mers. Je l'ai vu très souvent tout au bout du quai. Il regardait les grands oiseaux s'envoler. Mais quand passait un cargo, il crachait fort vers lui ou dans l'eau et se saoulait la nuit.